Attention, ça sonne! Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Life is Strange, mais fais quelque chose, Max. Donc je peux pas partir, ok, très bien. Faut que je fasse quelque chose, là il y a l'alarme, non. Vite, trouvons un truc dans le bureau. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Très bien. Donc c'est pas ça, on va remonter un peu le temps. Hop, 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 hop. Jusqu'où je peux remonter? Voilà. Là, c'est bien, non? Et je suis à l'intérieur. Est-ce que je peux pas... Vas-y. En étant à l'intérieur, est-ce que je peux pas remonter le temps et passer la porte avant qu'elle fasse tout péter? Ah, si! Bah voilà, très bien. Déverrouillé. T'es deg, je vais tricher. T'es deg ou pas? Allez, regarde, regarde. Bah alors? T'arrives pas à ouvrir la porte? Et au moins, on fait pas sonner l'alarme. Magnifique. Ah, énorme. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. Non, mais on est déjà rentré quand même à l'intérieur, donc de toute façon, on a vu toute cette camelote. On n'avait pas besoin de rentrer par effraction. Ouais, ouais. N'importe quoi. Bah oui, c'est forcément à cause de ce pigeon hein, qu'elle a été virée. Ok, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair? Bah, tu m'étonnes. Mais vas-y, arrête tes conneries là, on cherche quelque chose, non? This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan, anybody. Allez. Cherche sur l'ordi, toi. En attendant, parce que j'ai pas que ça à faire, moi. Bon, déjà, on va allumer la lampe parce qu'on voit rien du tout. Ah! Oh, mais Warren, t'es sérieux là? On s'en fout! T'as fait sauter le verrou? Ouais, c'est vrai, on a... Eh, en théorie, on n'a rien fait sauter. Hein. Timide, gentil et toujours au mauvais endroit. Wow, il y a beaucoup de trucs. Si vous voulez lire, appuyez sur pause. Voilà. Plus que deux fichiers. Allez, on va chercher dans les livres. Mais pourquoi? Il y a peut-être un truc intéressant, du Kant et tout ça. Ça t'intéresse pas de lire un peu, non? Oh, le tableau. Ça n'a rien à voir avec... Bah ouais, forcément. Elle est cachée dans le tableau, je t'ai trouvé. N'importe quoi. Alors, là-dedans. Bah ouais, mais regarde dans les dossiers, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Ah, là, je sens que si... Ah, ok, ok, bah calme-toi. Pas obligé de me dire rien ici comme ça, genre... Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Continue la tradition historique de sa famille avec un dossier académique brillant. Ben oui, bien sûr. Son volontariat pour les fonds pour les sans-abri. Bah, normal, mec, il est blindé. Donner 10 euros à une association alors que le gars, il possède 1 milliard, pour lui, c'est rien. Oh, une bouteille de whisky. Vas-y, bois. Ouais, bah ouais, on l'a bien vu qu'il était complètement torché, le mec. Bah, on va chercher là-dedans. Il manque plus que Rachel, en fait. Hein, Oh non, c'est rien! Où est Rachel? Du coup, il n'y a rien, il n'y a plus rien ici. Ça, on a vu. Bah, il n'y a plus rien, apparemment. Tu vas regarder le pigeon. Si, il est dégueulasse. Bon, bah là, oh, on va prendre une photo de Chloé. Say hello to my little... Voilà, allez, une preuve qu'on est rentré par effraction. Ouais. On a une preuve, du coup. Bon, ça doit être... Si j'avais signé la pétition, j'aurais pu faire une différence. Ah! En tant que proviseur, j'ai le regrettable, triste... Quoi? J'ai le regrettable, triste... Ah, il manque un slash. Devoir de... What?
J'ai le regrettable devoir de vous informer que votre pétition contre le nouveau système de surveillance n'a pas reçu assez de signatures. À une petite poignée près, je n'ai pas pour l'habitude, ouais, bon, on s'en fout. Donc c'est ma faute s'il n'y a pas les caméras. Et ça y est, il n'y a plus rien, là. Ah là, non, maintenant, j'ai déjà regardé. Ah ah! I guess being a bully is in the Prescott DNA. Qu'est-ce que c'est que ça? Je constate que le blason de la famille Prescott a été retiré du mur de la bibliothèque sans raison apparente. Ce blason a valeur historique, locale et une des conditions requises par les termes de nos dons à la bibliothèque, sans quoi les dons seront résiliés. Ces mecs, je te jure. Les Prescott. Ok, très bien. Bon, bah, je vais pas trouver. I know I shouldn't be going through the principal's files. Look everywhere, Max. There has to be some info in the student files. Quoi? Vengeance sur Blackwell. Now's your chance to get revenge on Blackwell. Vengeons-nous. Oh yeah, I'm so bummed I don't get to party with the Vortex Club. There's still time. T'es deg ou pas? Especially with you around, right? Don't talk. Search. Oh, I like it when you get bossy. You're finally learning from the master. Allez, sois ma chienne. Ah mais c'est un faucon, c'est pas un pigeon. D'accord. Ouais, je croyais. J'ai cherché là les dossiers. And nothing. Rien ici, d'accord, très bien. Ouais, je crois que j'avais regardé. Ah. Ha ha. Avant de trouver quelque chose. Oh, il y en a une qui dépasse. Évidemment, c'est Rachel. Oh là là. Comment ça, il n'y a rien? Wouah, il y a encore beaucoup de trucs à écrire. Donc, très bien. Bah, écoutez, apparemment, les flics surveillent, mais ils ont quand même fermé le dossier. Ah, c'est Chloé, ça? Donc, Chloé est intelligente, mais elle se rebelle. Très bien. Allez. Non, mais Chloé, elle est avec moi. Allez, on se casse. Non, on se casse. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Merde. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott. Tu m'étonnes. Ooh, he's so money, and you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet: bad grades, teacher complaints, secret probation, but I was expelled. The Prescotts always. Ah, mais toi, t'es une rebelle. Et l'autre, il a de l'argent. Toi, t'es une rebelle, t'as pas d'argent. L'autre, il a... c'est un rebelle, mais il a de l'argent. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Look, Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel. Mais carrément. Wow. Listen to this. David M. always asks what's. Mais le problème, c'est que Nathan, il a déjà drogué des gens pour les violer, alors j'imagine même pas. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebrews. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Plus I'm getting a little paranoid. OK, en fait, Nathan a s'approprié, enfin s'est fait pote avec le beau-père de Chloé. Mind reading, or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we? Ah, qu'est-ce que c'est? Wow, plein de thunes. Jackpot. C'est Nathan qui a donné ça au proviseur? That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, you know, shot him. Merde. Mais c'était pas voulu. Or just rewind and take the greenbacks for yourself. I hope you do that instead of lecturing me. Vas-y, on vole. Moi, j'en ai rien à foutre. Frank knows things about Rachel. He might talk about. Alors, en toute logique, on devrait pas les voler. Mais bon, vous voulez être un peu surprenant, non? Allez. Bah ouais, des bédos, des tatouages, des putes. Et des bouquins, hein?
Un télo de service, hein, merci. I feel like shit for taking that. Non, non, je me sens pas nul du tout, je me barre d'ici. Voilà, allez hop. That impish look scares me. Ouais, maintenant elle est blindée. Swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? Allez! Ah ouais, carrément, ouais. We deserve a little mindless fun in the water. We're done for the night anyway. We're rich and nobody busted us. So? Mais oui, au pire je remonte le temps, c'est bon. Splish splash. Did you actually just say Hella? I think I'm a good bet. Une bonne mauvaise influence. Allons nous amuser un petit peu depuis le temps qu'on attend ça. Ah ben en plus on a les clés maintenant. Hé hé! Ça, ça fait flipper, on dirait un film de zombies. Là, t'es zombie derrière. Big fucking deal. Not that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Mais ouais, ça va, je veux pas utiliser non plus. Quoique oui, hein. Bah mais pourquoi je serais pas maléfique aussi, moi? J'ai soif. I would love a soda, but I just get wired. Oh là là, mais la relou, amuse-toi un peu. Boys or girls? Ah. Côté garçon. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Voilà. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai été attiré par les garçons. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon public. Est-ce qu'on peut quand même aller du côté des filles ou pas? Non, pas du tout. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Ah, en même temps, c'est vrai qu'il y a les casiers des gens. I guess I should consider this evolution. On aurait pu aller voir le casier de Victoria. C'est peut-être plus intéressant, en fait, le casier des filles. Hein. Parce que en mec, on n'en a pas vraiment... Ah tiens, le casier de Warren. Bah parce qu'il est amoureux de toi. Ah, des bouées. This must be for training kids. Ouais. Non, sans blague. Ah, le casier de Nathan. Regardons. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Ouais, ouais. Non, mais je vais aller voir le casier des filles. Parce que j'ai envie de voir le casier de Victoria. Ah merde. Du coup, Oh merde. Ah mais non, c'est bon, je peux ouvrir. Presto. Dude, it's getting old. Try and dazzle me with another trick. Ouais, mais non, je voulais aller du côté des filles. Du coup, je peux pas ouvrir là. Attendez. Voilà. Boys or girls? Fille ou garçon? Donc du coup, fille, on va choisir. Girls, of course. Girls. Ouh là là. Comment ça, oulala? Tu vas pas me dire que je suis une chaudasse en allant chez les filles aussi? Enfin, sérieusement. Alors, le casier de Victoria, il est où? On dirait bien que Brooke a envie d'aller au drive-in. Ouais, ouais, ouais. Le casier de Victoria, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un t-shirt. Those are some musty ass old shirts. Y'a pas des sous-vêtements en même temps. Mec, n'importe quoi. Ah, le casier de Victoria. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... What? On dirait un putain de singe. Don't confuse art with the artist. Non, mais pas du tout. C'est quoi ça? C'est quoi? Regarde-moi cette bouche, là. Mon Dieu. Bon, bah, y'a rien, en fait. Des serviettes. Des palmes! Pour aller à la piscine, des palmes? What the fuck? Ah ben voilà, la même réflexion que moi, très bien. Ça c'est le casier. Ah, le casier de Kate. Bah c'est ce qu'elle aurait dû faire au lieu de se suicider. Pourquoi elle a fait ça?
The wit. Other here. Beaver. Bref. Allons voir des chaussettes. Qui c'est qui a perdu ses chaussettes? Ben, l'autre, elle doit être sur le pied de l'autre. Allez, un peu de savon. Ah merde. Bon bah du coup, est-ce qu'on peut... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ouais. Ah, une bouteille d'oxygène, ah ouais, quand même. D'accord, donc des palmes, une bouteille d'oxygène. Vas-y, on allume la lumière. Tac. Allez. Attends, ça aussi, ça me rappelle une vidéo un peu glauque avec des 4 étudiants qui vont dans la piscine et qui se font bouffer par, par un monstre. Ouais, bon, ok. Oh, très joli maillot. Et alors? Non! Et du coup, on peut aller dans les vestiaires des filles? Ah oui, bah oui, on peut aller dans le vestiaire des garçons. Donc en fait, le choix n'avait aucune importance. Hein. Non, moi je fais le tour, je visite. Ah, la bouée, on peut pas la prendre? Bouée en requin, moi je voulais prendre le requin. Je voulais faire peur à... À Chloé. Y a rien d'intéressant sinon. Là, l'exit... Est-ce qu'on peut aller se baigner? Pas de ce côté en tout cas. Là ça va me bloquer à tous les coups. Ah non, c'est bon. Bon, est-ce que je peux te rejoindre? Mais elle a pas de sous-vêtements. Ah, petite coquine. Ah bah non, elle avait son maillot, je suis con. Allez. Oh yeah, baby, it feels like a hot tub. With my cash dash, I'm queen of the world. Bow. Comment ça, genou? Ah bah voilà, on parlait de zombies. Ben... Non, Cham! Ah, Chabillé! Ah, ça sent les souvenirs avec Rachel. Hein. Eh, plutôt sexy aussi. Hein. Comment ça, une loutre? And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. Ouah, trop marrant. Eh, hey, ils doivent s'éclater comme des fous, genre. J'aimerais bien y être. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. Ah là là, ça y est. La nostalgie reprend le dessus. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. Mais oui, on va la retrouver. On est en espérant qu'elle va pas mourir comme Kate. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature, more like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? Bah, on verra ça plus tard. Il reste encore des chapitres, ma jolie. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected since without me you would have never discovered. Eh, hey, j'avoue que c'est grâce à toi. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia. S'il faut, j'aurais pas eu le pouvoir de suite avant qu'il y ait quelque chose qui me choque vraiment. More than Rachel Amber. Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. En fait, si j'avais pas découvert mon pouvoir avec elle, j'aurais découvert avec Kate, du coup. Puisque ça m'aurait choqué, je serais remonté dans le temps et j'aurais essayé de la sauver. Et Ah, dégoûtant. Ew.
I don't want any Blackwell bros over me. Ah, surtout pas Warren. They probably think I'm a total nerd. Ah, elle a des vues sur 2-3 mecs, hein. Unfortunately, that didn't come with my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Oh, c'est mignon. Magnifique. Now I'm getting cold in here. Il va y avoir du drama, je le sens. We're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's check. Let's call. Mais ça fait pas longtemps qu'on y est là. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Je vais grave me les cailler, ok. Ça y est, la meuf, elle a plus aucun respect pour la langue française. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Eh ouais, mais écoute. You would know. Oh, po. Oh merde, cache-toi. Vite. Bon, on se tire. Vas-y, on court. Faut qu'on se barre. C'est où la sortie? Par là. Move, Max. Don't waste your power on getting busted. You shitting me? Merde! Cachons-nous. Oh putain, pas lui. Vas-y, il a ouvert la porte. Faut qu'on fasse le tour. I could use my power, or just look for a hiding spot, or both. Where are they? Hello? Whoa. Cachons-nous là-dedans. Ça devient chaud, là. Merde! Je me suis fait repérer. Cachons-nous dans ici plutôt. Ici, il nous verra pas. Sauf si il visite toutes les toilettes. Ah merde, il m'a vu. C'est pas possible. Bon, allons dans les troisièmes alors. Les troisièmes, il me verra pas. Hello? Anybody there? Non, il y a personne. Tu crois vraiment qu'on va te le dire, sérieux? Vas-y. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. On passe de l'autre côté. I heard something over here. Il a entendu du bruit. On va essayer de partir de l'autre côté plutôt. Ah, c'est... invisible. Mais ouais, on est trop invisible. Il y a une sortie de secours là-bas. Nickel! On s'est sauvé. Oh putain, ça m'a fait flipper ça. Merde, il est encore là! C'est pas possible, il est partout le mec, il était pas à l'intérieur. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Bah ouais, c'est logique en vrai en même temps. Si je suis chez lui, il se doutera pas que j'étais là. Hey. Toujours rester proche de ses ennemis. Max, you rock. We are so fucking awesome. Ah, et bah ouais, il a entendu la voiture du coup. Sauf que s'il l'a vu, il va la reconnaître. Ah bon. Allons-y, allons nous coucher. Bon, et bien merci de m'avoir suivi dans cet épisode. Il s'est passé quand même pas mal de choses dans cet épisode, c'est cool. Franchement, un épisode qui m'a plu, j'espère vous voir nombreux au prochain aussi. Merci à tous, bye bye.